don pour don du film bo xamné Otis Ba mom moko dal di réaliser waaw mom moko dal di réaliser mu dal ci andak ak ay acteur ak actrice bu melni Mami Mbaye bi le nak film manante jangat lu bari bari ci ay sujet ci démé ni l'immigration irrégulière li ko waral nak moy Moussa mi nga xamné mom jeune étudiant la waye nak mom rew mi nga xamné fi la dalti nek mom munu fa am li nga xamné nak moy réussite motax nak li nga xamné yakaram daldi tass gannaaw lolé nak mom mu daldi gis né ben yon rek la mëna def ngir mëna tekki moy daldi wuti tugal lolé ci la daldi nek ndax lolé nak nga xamné nak moy wajirom bu jigen dafa nek ko xamné dafa sonu lol té lol mom mënul tok sa soné diko gis té mënul fat yolé soxla motax nak mom mu daldi gis né ben yoon kessé la daldi mëna def ngir daldi dem tougal ngir mëna am vie bu meilleur lolé nak mom donté nak yépp maté wut ngir mu am ko par yi koy mëna tax mu def lolou nga xamné nak moy wajaram bu jigen ayam daldi jël ay takayam ngir daldi ko jox dimbalé ko ngir mom milé limu daldi bëgg mu daldi ko neusër ndax Moussa dana dem am déta lolou yépp film bi diko retard mu melni lunu mel gis nañ ko mu bari lol ci mim rew motax Moussa mom ak ki nga xamanteni mom la bëgg ni koku mom bugul mukk Moussa jël yoon wi nga xamanteni moy l'immigration irrégulière ni Moussa avenir vous pas alors man fi mo fi toge ban avenir la la mëna fi avenir bobu mën na ko fil sama bop mais justement c'est ça le problème da nga reuy yow sama papa da ngeen reuy yeena yam vous êtes pathétique xolal dogluma tour du monde bobu ngay rêvé bi nga nekk xarit walé bi man mënu ma la ko fekk ci condition yi ma nekk je m'en fous de ton tour du monde musuma la lan motax sama yaay nekk sama héroïne tay dina la ko wax gis na bu mu jàngee ba pare ba am ay diplôme dañ ko proposé mu liggéey fii ci benn hôpital bu mag ak salaire bu baax dafa préféré ubbi cabinet di ci dimbali ñi nga xam ne amuñu moyen ma lan laa la bëgg a jàngal foofu Moussa man waruma góor bu am succès góor bu am valeur lay wër dund bi fii la man ak yow xel bi fii la Tu comprends ça? Esprit responsable. Je pense à ceux qui devront plus tard gouverner cette jeunesse ni éduquée, ni instruite, ni informée. Ces hommes. Film bi nak dent pour dent ak liko daldi wud ñi nga xamne nak ñoy acteur yi ak réalisateur bi daldi nañ ñu jukki la lu waral la ñu daldi développer thème yi le yépp ñu la di len téwlo. Et c'est pour ça que je voulais que cette jeune fille voilà, soit une... Elle est aussi étudiante, hein, mais c'est vrai que, bon, elle a peut-être une situation familiale peut-être qui lui permet d'être peut-être plus... Donc là-dedans, l'histoire de vengeance aussi, même si c'est pas le sujet du film, traverse le film. Donc du côté philosophique aussi, il y a quelque chose de factuel là-dessus. Mais merci pour la suggestion. Et le personnage de Viviane veut un peu montrer que c'est une femme non seulement indépendante, qui peut l'épauler, et une mère aussi. Et donc montrer un peu le fait que les femmes puissent avoir plusieurs casquettes. Et donc, la connaissance du travail, gérer sa maison.
maison, faire à manger, aider son mari, l'apaiser, vu que avec sa perte de travail et tout, il peut se montrer parfois très agressif, très stressé. Et elle montre un peu qu'elle est un peu sa roue de secours, elle est son épaule, et qu'elle se préoccupe de sa famille. Que enlever un peu l'image de « oui, je suis une femme indépendante et je ne fais rien d'être chez moi, je ne gère pas chez moi ou je délaisse mon couple », c'est montrer un peu qu'on peut aller au-delà de tout ça. On peut être indépendante et bien gérer son devoir d'épouse et de mère et savoir être là pour son mari, pour ses enfants et surtout montrer que ce n'est pas parce que son mari a perdu son travail que sa femme va le dévaloriser ou elle va peut-être le mettre devant les faits, genre tu n'as plus de boulot, on fait quoi? Non, elle a montré que moi j'ai un travail. Écoute, un mariage, c'est deux personnes. Là, tu n'y arrives pas, mais moi, je suis là, je vais t'aider. On va y arriver ensemble. Et tu peux compter sur moi, même si c'est pour gérer les dépenses à la maison. Et donc, on a montré un peu que ce n'est pas une femme qui met en avant ses atouts, genre elle a de l'argent, ou bien c'est elle qui gère, donc elle va taper son mari ou je ne sais pas. Donc, je pense que c'est... Bon, j'ai apprécié ce côté où vraiment, on a essayé de bien niveler les choses et de montrer qu'il a plutôt une partenaire et quelqu'un sur qui il peut compter. Voilà, il est surtout sans espoir et qui part. Là, c'est un étudiant qui est quand même un leader à l'université, qui est un délégué, quoi, entre guillemets, et qui décide, lui, de partir, mais avec, en prenant le blog, on s'approche un peu à montrer là où on en est arrivé, avec un peu ce désespoir, comme le disait la phrase, ils deviennent des momies, non, qui marchent. Donc c'est un autre côté qu'on a voulu traiter, et c'est, voilà, l'immigration est traitée de partout. Mais voilà. Moi, l'histoire du film, et quand j'ai été contacté, et quand j'ai lu le scénario pour la première fois, j'ai dit waouh, ça c'est un challenge déjà, parce que à travers Augustin, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de branches, parce que tout se passe autour de lui et tous les thèmes abordés sont autour de lui. Tout autour de lui, quand je vous l'ai, c'est d'abord un fruit de l'immigration, déjà, qui va vivre au milieu d'un drame de l'immigration, je dirais, qui va vivre le drame, en fait, de, comment on appelle ça, du chômage, qui est une réalité africaine, de la société de nos pays de nos jours. Enfin, il y avait plein de choses sur ce Augustin-là. Et cet Augustin ne pouvait que réussir sans vraiment le concours des autres acteurs du film. Et notamment, je dis encore merci au réalisateur qui a su vraiment encadrer la tenue de ce rôle-là. Alors, pour en revenir à l'immigration, je dirais vraiment, je suis très sensible à ce phénomène-là. Ce phénomène qu'on doit travailler effectivement à endiguer parce qu'il y a matière à faire ici. Mais la chimère qu'on nous lance par rapport à l'Occident, tout le temps, amène les gens à se sacrifier. Et c'est d'autant plus grave que de plus en plus, c'est des mentalités plus conscientes, des mentalités plus éveillées, qui prennent sur eux de fuir des pays qu'on doit travailler à rehausser, pour aller se retrouver dans, je dirais, s'ils y arrivent, pour aller se retrouver dans la misère. Parce que moi, j'appelle misère, c'est vraiment ces gens qui se retrouvent soit en mer, dans des chaloupes et quoi, pour aller débarquer sur des plages, dans des camps de concentration, pratiquement. Alors, je vais inviter toute la jeunesse, de façon générale, à travailler, à rehausser le niveau de vie local, plutôt que d'aller chercher ailleurs ce qui n'est que chimère. Merci. On se dit la vérité, c'est nous-mêmes Sénégalais qui aimons ça. Parce qu'on voit des séries parfois qui montrent certaines réalités, qui montrent beaucoup de choses très importantes, mais elles ne sont pas vulgarisées. Elles ne sont pas mises en avant. Les gens ne s'attardent même pas dessus. Aujourd'hui, tu vois une série dans laquelle il y a une très belle fille, de grosses fesses, de très belles voitures, tu entends tout le monde parler d'une série comme ça. Donc ça veut dire que le public lui-même pousse les gens à mettre certains produits, à mettre certaines productions en avant.
Et malheureusement, c'est ça. On dit, quelqu'un me disait, le public sénégalais est hypocrite. C'est dommage de le dire. Parce qu'aujourd'hui, on peut donner des leçons. Et derrière, on raffole des scènes un peu osées. On raffole de... Voilà. Maintenant, c'est vrai que par rapport au long métrage, on va dire que parfois, c'est le public qui pousse un peu les maisons de production à faire certains choix. Aujourd'hui, tu prends une mamie qui est moche comme ça, là, comme on me voit comme ça, et tu mets une autre femme, je ne sais pas moi, avec des formes généreuses, super jolies, et que souvent, la plupart, ils vont direct voir l'autre, quoi, et se concentrer dessus. Et ils ne mettent pas en avant la matière de la personne, le professionnalisme, l'acting de la personne. Et c'est vrai que ça va faire un fossé un peu par rapport à ce qu'on attend. Donc, après, le long métrage, c'est vrai que surtout quand on travaille avec certaines nationalités, ils visent le naturel. Ils aiment te voir au naturel. Et puis, il n'y a pas de fossé entre aujourd'hui. Si on te met la lumière, on voit la différence entre les teints et tout. Parfois l'extravagance un peu des maquillages, et ça c'est vrai que même le public parfois se plaint de cela, et je pense que c'est bien qu'on note et qu'on corrige un peu, que ce soit pour moi, que ce soit pour quelqu'un d'autre, qu'on se remette un peu en question par rapport à tout ça. Merci.